Bien. On va prendre nos précautions quand même. Let's go. J'envoie du lourd. J'envoie tout ce que j'ai dès le départ. Oh bordel! Ah, la réinitialisation des PNJ au pire moment! Ah! Ah, je vous jure, ah, ce genre de choses. D'accord. Mince. Oh, d'accord. Bon. Je sais pas trop quoi ça servait, mais voilà, je voulais essayer. Bon. Pas vu, mais il est mal en point aussi, lui, mon marcheur là. Voilà. Allez, let's go. Bonjour. Pour les tourments, veuillez prendre un ticket. À un moment, nous avons oublié ce que sont les Ventir. Il faut nous rappeler. Nous avons tout le nécessaire. Ouf. En vrai? En vrai, faut voir, hein. La ceinture aussi est sympa. Ah, oui, c'est la ceinture, ouais. En vrai, ouais. En vrai, je pense qu'on va garder. Parce que j'aime bien, en vrai. Oh, une nouvelle monture! Gargon des cryptes. Bon, très bien. Nous avons tout le nécessaire pour votre traversée, me dit Normand. Mon médaillon se trouve quelque part de l'autre côté du miroir.
une fois que vous l'aurez franchi, il vous restera plus qu'à fouiller les lieux. Prudence, tout de même, mes pensées sont encore confuses, mais je me souviens d'avoir protégé l'intérieur de la crypte à l'aide de l'accusatrice. Il faut un temps, il fut un temps où j'aurais pu tout vous dire sur cet endroit, mais je crains que ce ne soit plus le cas. Bon sang, j'ai encore oublié dans quel ordre j'avais posé les maintenant que nous avons tous les composants, nous pouvons passer à la suite. Une fois le miroir prêt, n'oubliez pas d'appliquer la poudre de lotus mortifère. Si vous l'omettez, vous... ce ne sera pas plaisant. Je vois. Je connais ce genre de méthode. Alors lui, par contre, il n'a aucun souci, lui. Si je fais ça. Non, je reste de l'autre côté. D'accord, ok. Alors, là, ça va être un problème. Je vais être en mal de résu pendant 10 minutes. Bon, on va tout de suite réparer notre stuff, du coup. Parce que je suis pas sûr que je puisse traverser le miroir en fantôme. À mon avis, c'est non. Sans pièces d'or de réparation. Attends. C'est de l'argent. Ça, tu peux le vendre. Tac, tac, tac. Oh, j'aurais du stuff à vendre en tout cas avec. J'aurais un peu de stuff à vendre, c'est déjà ça. Revenez vite! Avant l'antre, j'allais bien. À présent, tout est flou. À un moment, nous avons oublié ce que sont les Ventir. Il faut nous rappeler. D'accord, c'est un ours. Ah oui, c'est la fameuse monture, ben oui, on l'a vu en démonstration. Oui, bien sûr, oui. D'accord. Bon. C'est cool. Bonjour. Pour les tourments, veuillez prendre un ticket. Et un emblème de renom. Alors, nous devons faire parvenir le médaillon à Tombvis dans les plus brefs délais. Nous avons pu juger de la férocité des sbires de Matteo. Alors imaginez les dégâts que pourrait causer Dinatrius si nous nous attardons ici. Il est temps pour moi de regagner la crypte de l'absolution. Le travail que vous avez accompli va me permettre de retourner à mes devoirs. Ma première tâche consistera à recruter un nouveau garde-vis. Je frémis à la seule pensée des interminables entretiens qui m'attendent. Mon sang, mon médaillon. Apportez-le vite avant que Dénatrius s'aperçoive de tout. Bien dit que je devais servir.
On va prendre notre temps, hein. J'ai apporté quelques modifications à mon fameux parasol afin qu'il absorbe la nuit. On va prendre notre temps, hein, parce que je suis encore en... J'ai encore apporté quelques 8 minutes de. 8 minutes de mal de résurrection. J'ai pas compris pourquoi j'ai été victime du sort là, même après avoir utilisé ma pierre d'âme. J'aurais dû attendre la minute pour pouvoir utiliser mon sort, mais bon. J'ai apporté quelques. Oh, tais-toi avec ton parasol, toi. J'ai du boulot pour vous. Votre dos, il est solide? J'ai du boulot pour vous. Votre dos, il est solide. J'ai du boulot pour vous. Votre dos, il est solide. Venez donc plus près, cher ami. Bon, on sait déjà où est notre prochaine quête. Je vais juste jeter un coup d'œil à mes missions. Parce que je crois qu'il y en a une qui est terminée. Oui, c'est ça. Voyons, qu'est-ce qu'on a Pas grand chose en vrai. Il y a un peu de pex là, mais faudrait que lui il régène. Ou alors Raël. Hop, faire pex un peu Raël. Sur une base un peu plus solide. Attendez. Non, en vrai c'est mieux comme ça. Allons-y, let's go. Minutes de mal de résu. Bon. Ah, l'âme qui pourrait un jour sauver l'ombre terre est arrivée. Un ventir à lui seul ne saurait porter les 7 médaillons et en maîtriser le pouvoir, ni imposer le respect à ceux qui les convoitent. Je suppose donc que nous fabriquerons un artefact capable de contenir leur redoutable puissance, afin de la rendre accessible à un seul individu. Malheureusement, ce n'est pas en Ravendreff que nous trouverons un artisan assez compétent pour y parvenir sans risquer
de transformer son porteur en pantin à la solde de Donatrius. Non, cette fois-ci, nous allons devoir nous tourner vers un royaume spécialisé dans l'art de servir. Oh non! Non! Non, je vais pas retourner au bastion! Non! Draven vous expliquera les choses en détail. Oh. En vous voyant, j'ose ressentir un peu d'espoir. Bienvenue dans la résistance. Si Renatral veut utiliser les médaillons des moissonneurs, il aura besoin d'un intermédiaire pour canaliser tout ce pouvoir, les forges de Ravendreth étant compromises par la corruption de Denatrius. Nous allons devoir nous tourner vers le bastion. En tant qu'habitant de Ravendreth, l'accès au bastion via Oribos nous est interdit. Vous allez devoir activer un miroir caché là-bas depuis fort longtemps. Tenez, prenez ceci. Ce miroir se trouve dans un endroit rarement visité, l'enclave voilée. Je doute que vous y rencontriez qui que ce soit, surtout en cette période de pénurie. Utilisez le miroir compact. C'est Ravendreth que je sers, pas le maître. On va attendre les 10 secondes de mal de résu avant de cliquer dessus. Puis j'ai gagné pas mal de renom là. Ah c'est bon, je suis plus en mal de résu, mais je vais voir un truc. Si je dis pas de bêtises, ça doit être par là. J'ai dû le voir par là. C'est ça. Voilà qui pourra être utile. Non. C'est sœur d'Anima, ça. C'est pas ce que je pensais. Je ne laisserai plus personne se dresser entre nous. Approchez donc. Allez en paix. Bon, c'était pour revoir la fameuse monnaie, là, les rubis machin là. Les rubis imprégnés, je crois que ça s'appelle. Je pensais que c'était ici qu'on pouvait les échanger. Mais visiblement non. Bon. Bah let's go. Requiert miroir caché. Ah. Ah oui, il faut que j'enlève ça. Donc il faut que j'aille au bastion. Ok. Havre de la sagesse. Est-ce que... Attendez, est-ce que c'est le plus légitime? Si je joue au repos du héros... Non, vaut mieux que j'aille au havre de la sagesse. Je retourne en arrière, puis bah ça. Donc havre de la sagesse. Ok, vu qu'on doit passer par Oribos, hop.
Parce que le fly que j'ai là, il est super lent. C'est plus simple de passer comme ça. Attendez, du coup, ils comptent utiliser la forge du bastion de façon clandestine? Ils peuvent pas juste demander l'autorisation? Je veux dire, c'est. Avec la trahison de Atreus, c'est un cas de force majeure, quoi, enfin. Bon, bah on retourne au bastion. En l'absence de l'attracteur, de nouvelles forces ont pris le pouvoir. Renversez-les. Se reproduisent à une vitesse alarmante. Éliminez les larves pour endiguer l'infestation. Une horde vorace de Picracine est en train d'avancer dans les terres. Prenez une aile voilée pour en éliminer avant qu'ils arrivent au cœur de la forêt. Des brigands sont en train d'envahir le jardin de la nuit. Devenez mon avatar pour les enchasser par la griffe. On a besoin de récolter des glands d'anima, mais il y a des drusts partout. Un petit brin de magie vous aidera à vous faufiler. On dirait que Crondemort a besoin d'un peu d'exercice. Amusons-nous un peu après tout. Nous avons besoin de votre bravoure. Ces monstres dévorent tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. Éliminez-les. Qu'est-ce que vous diriez de retourner faire un peu d'étincelle? Le Primat a remporté bien des batailles rangées. Faites honneur à sa mémoire en vous imposant en ce lieu sacré. Le Xylocard est flétri, mais les rêves de ses feuilles sont encore là. Pourriez-vous aider Zeyad à les rassembler? Le premier forgelite nous informe que l'une de nos némesses ne répond plus. Apportez-lui ce qu'il faudra pour qu'elle puisse se remettre au travail. Bien, donc, ok. Alors, oui, il faut que je parte au sud.
Tiens, j'ai pas découvert ça. Joueur. Je sais pas, j'ai eu un signal sur la minimap, j'ai eu l'impression que c'était un joueur qui pinguait. Quelle est la prochaine cible? Ce n'est pas de tranquillité que nous avons besoin, mais d'un objectif clair. Nous devons trouver Mika Nikos. Mika Nikos, oui, d'accord. Le premier forgelite, lui seul, est en mesure de fabriquer le dispositif dont nous avons besoin. J'ai vu certaines de mes créations, des machines et des armes fascinantes. Pouvant rivaliser avec les plus puissantes vives pierres. La dernière fois que je l'ai vu, c'était dans son atelier, un endroit prodigieux appelé la Forge de l'Éternité. Nous vous rejoindrons sur place. Voyager en groupe risquerait d'attirer l'attention. Il n'y a pas que voyager en groupe qui attirerait l'attention, je pense, mais bon. Ouais. À la forge éternelle. Votre présence devrait apaiser les tensions que notre arrivée risque de susciter. Oui, c'est vrai que c'est pas plus bête des dit comme tensions? Ça. Des tensions? Dans quoi m'avez-vous encore embarqué, Draven? Bien. Je suis désolé si vous entendez un piaf gueuler, c'est... Il a décidé de se poser sur ma fenêtre, ce con. Le premier forgelite nous informe que l'une de nos némesses ne répond plus. Toujours à rappliquer à la moindre volonté de son maître. Et vous, que faites-vous ici? Denotrius nous a tous trahis. Et cette âme sans entrave est là pour nous aider à arracher Revendreth à son pouvoir. Et pour ça, nous avons besoin de votre art. Me saoule ce piaf. Bon. Excusez-moi, j'ai été fermer ma fenêtre du coup. Bon. Alors. Eh merde. Attendez, excusez-moi, j'ai tout qui est en train de se... Oh, j'ai tout qui est en train de se casser la gueule du coup. Hop. C'est bon. Je suis de retour. Alors. Il faut sauver Revendreth. Nous faisons ce qui doit être fait. Eh ben, on les récupère tous.
Alors par contre, oui, donc j'ai un... J'ai déjà un truc. Non. Si, avec trois ensembles, j'ai un truc. Augmente votre régénération lors des combats dans la région extérieure de l'Ombre-Terre. Montant augmenté dans le royaume de votre congrégation. Ok, d'accord. Bon. Du coup, le général Kahl a été envoyé ici en mission pour Danatrius. Il y a bien longtemps, elle devait dissimuler des siphons dans cet atelier et s'assurer que personne ne puisse les détecter afin de limiter la quantité d'anima pouvant y être utilisée. Mais ce faisant, elle a déstabilisé toute la région. Les désavoués ont dû s'en rendre compte et ils se sont engouffrés dans la brèche. Ces mesures n'ont pas lieu d'être et sont un frein à nos projets. Accompagnez Théotard et détruisez ces siphons. Ok. Il faut offrir une autre forge à teaser la convoitise du maître. Alors il a envoyé des agents pour la saboter en enviant les réserves d'anima. Ils ont sapé les défenses de la forge et permis aux désavoués de la capturer. Pas étonnant que je me méfie des Ventirs. Nous ferons amende honorable, premier forgelite. J'en fais le serment. Parlez-moi des merveilles de votre monde. Ouais, ça fait beaucoup de quêtes, là. Mes outils, impossible de travailler sans mes outils. Famosa, mon ancienne apprentie, me les a tous volés quand elle a rejoint les désavoués. Ça me brise le cœur, elle était si douée. Vous devez l'arrêter. Laissez-moi travailler. Les bons composants. Si nous voulons fabriquer un instrument utile à votre mission, il va nous falloir du métal. Les pièces des assemblages désavoués devraient faire l'affaire. Il faudra toutefois les retravailler un peu pour les purger de leur corruption. Récupérez leur métal et fondez-le dans les flammes purificatrices de la forge éternelle. Vous avez une certaine valeur, mais pas autant que moi. Certains disent que je suis maniaque. Moi, j'appelle ça consciencieux. Fou, oui, mais mal élevé, jamais. Allons découvrir un puissant et les illusions ne devraient pas être difficiles à identifier. Ah, attendez, c'est moi qui... Non, c'est lui qui me suit, ok. Quoi? Pourquoi je dois l'attaquer lui? Ah, c'est lié au... Excusez-moi. C'est l'expédition, c'est pas le... Ah, c'est chiant, il y a une expédition en plein milieu du truc, du coup je sais pas qu'est-ce que je dois faire. Attendez, métal purifié. Là déjà, on va faire ça. Hop. Du coup, eux c'est quoi là? Charger le noyau. Ça c'est le truc, mais métal purifié, ça fait partie. Ok, du coup, eux, faut que je les bute. Ah, je suis pas si bon. Oh, j'ai mal passé ma... Oui, là, qu'est-ce qu'on fait? Attention à ma vie, et ben, j'ai pas fait attention que j'avais plus mon marcheur. Je suis mort. Je suis mort.
fini. Le premier forgelite nous informe que Daniel. Apportez-lui ce qu'il faudra pour qu'elle puisse... Allons-y, avec mon aide, les illusions ne devraient pas être difficiles à identifier. Du coup, j'ai ce qu'il faut... Enfin, j'ai récupéré... J'ai même pas récupéré... Si, métal purifié. Ouais, ok. Ouais, génial. Hein. Du coup, marcheur du vide. J'ai quand même aggro les autres. Oh, je pense que j'étais suffisamment loin. Mon devoir est accompli. Bon, ça va, il y a 23 000 points de vie. Ils sont où les... C'est étonnant qu'on n'en ait pas encore trouvé des... Mais que merdier! Sans déconner. Je sais quoi? Il n'y a pas moyen de les masquer, faire ces trucs-là. J'en ai trouvé un. Par contre, c'est subtil. Je suis pas sûr que c'était ça en fait.
sais pas. Là, j'ai un truc, là, mais... Cet endroit. Mais sans déconner, ça ressemble à ce truc-là, hein, mais... enfin... Qu'il soit un siphon d'anima. Un instant, le temps que je dissipe l'illusion qui le dissimule. Ok. Du coup, il n'y a pas d'indicateur ni rien, quoi. Faut... D'abord, choisir une cible. C'est un peu au petit bonheur la chance, quoi. Eh ben super, en tout cas, on a nos 5 métaux déjà. On a déjà ça. Un truc interagible, mais ça aide pas plus que ça, quoi. Je vais aller par là-bas, on va bien voir. Je regarde si je vois un truc qui serait interagible, mais... Non, y a rien ici. Franchement, on aurait cru, quoi. Enfin... Ah, là, y a un truc. Ok, je crois avoir compris. Okay. Ouais, venez vous occuper de... Tu viens de me dire qu'il n'y a rien là, il y a un truc qui scintille là.
c'est pas ça. Pas très clair tout ça. Hein. Facilement détectable. Pour moi, c'est là parce qu'il y a, un truc qui scintille dans le vide là. D'accord, non ? Oh, bordel. Bon, on va aller à l'opposé. Question là, je non bon laisse tomber. Mon devoir est accompli. Trop de mobs. C'est chiant là. Hein. Le premier forgelite nous informe que l'une de nos némesses ne répond plus. Apportez-lui ce qu'il faudra pour qu'elle puisse se remettre au travail. Ça se répète, ça radote. Allons-y, avec mon aide, les illusions ne devraient pas être difficiles à identifier. C'est bon, j'ai détruit là le deuxième. Hein. Mais non, même pas, mais il a dit. Oh merde, je fais n'importe quoi en plus. Mon devoir est
est accompli. Bordel, et il est apparu, et il a disparu, et... Ah, cette quête de merde! Allez, refais-le-moi apparaître. Oh non, me dis pas que c'est bugué! Bah écoutez, honnêtement, j'en ai marre. Je vais faire une pause. Mon devoir est accompli. Je vais valider déjà la première quête que j'ai faite. À savoir le métal là. Et bah, je vais réinitialiser cette quête parce que apparemment il y en a un qui a disparu alors que je suis sûr que. Le maître d'œuvre du bastion. J'exige rien de moins que la perfection. Hop, abandon. Hop, reprise. Nul besoin d'espoir pour faire ce que votre forge attisait la convoitise du maître. Alors il a envoyé des agents pour la saboter en en vidant les réserves d'anima. Ils ont sapé les défenses de la forge et permis aux désavoués de la capturer. Pas étonnant que je me méfie des Ventir. Nous ferons amende honorable, premier forgelite. J'en fais le serment. Et la caisse à outils, elle est où? Attendez, on va d'abord faire la caisse à outils, là. Elle serait où? On va juste se focus là-dessus, parce que l'autre, là, c'est l'enfer. Je ne prends que les bonnes questions. Rapportez-moi de je me charge de trouver Phaistos. Vous récupérez du métal, sans rayures et sans impuretés. Allons-y, oh, quel arôme. Les illusions ne devraient pas être difficiles à identifier. Un instant, le temps que je dissipe l'illusion qui le dissimule. Ça, c'est nouveau, ça.
Celle-là est assez fourbe. Permettez-moi de la resynchroniser.